Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais défier Louis à l'escalade. Les règles sont simples. Nous devrons à tour de rôle escalader des voies qui deviendront de plus en plus difficiles. Pour gagner un point, il suffit de poser ses deux mains sur la dernière prise pendant au moins 3 secondes. Nous avons 3 essais chacun pour y parvenir. En cas d'échec, aucun point ne sera comptabilisé. Celui qui aura marqué le moins de points aura un gage en fin de vidéo. C'est parti pour le fight! On va s'échauffer tranquillement. Tu te chauffes sur une blanche. Là c'est simple, mais quand j'ai commencé c'était pas du tout facile de faire les ranges, j'y arrivais même pas et c'est Louis qui m'a tout appris. Si je gagne, c'est un peu l'élève qui dépasse le maître. Essayez de faire le malin depuis tout à l'heure, de le faire en no-foot. Ça fait 3-3. C'est encore serré. La tension commence à monter. Est-ce que je vais égaliser ? Ce qui est bien, c'est qu'il y a un petit équilibre qu'il faut essayer de maintenir. Quel sera le gage à la fin de la vidéo? Le perdant devra se déguiser. Si vous voulez quelques indices sur le déguisement, regardez les images qui suivent. Voici Roger de la vidéo sur l'obéissance. En plus d'être déguisé, le perdant devra grimper dans cet accoutrement ridicule. Le grimpeur commence à mettre de l'amnésie, ça commence à devenir difficile. C'est un truc de ouf, t'as même pas réfléchi. Tu l'as regardé vite fait. Nope. Elle est dure. Mais ça tue. Tu vas arriver. Merci. Dernière chance, sinon je perds un point. Là, on va faire une voie où il y a un move un peu stylé. On va passer à un niveau encore plus difficile. On va faire une rouge et après une blanche. Faut que tu mettes un talon là-dessus. Ah, ça te défonce. Si Louis marque un point, ça va être super chaud pour moi de remonter, surtout si on fait une blanche. J'ai jamais réussi à faire une blanche de ma vie. Ouais, t'as géré. Ah, dommage.
Ah non, mais tu y étais presque. Le score est toujours de 5-5. Là, on va faire la dernière voie qui va essayer de nous départager. Je sens que tu vas la réussir, tu vas te transcender. Là, c'est chaud. Oh, ça commence déjà bien. Là, le problème, c'est que les prises, il y a moins de grip dessus. J'arrive même pas à choper la première prise. Un jour, peut-être qu'on y arrivera à faire ce genre de choses. Si on n'arrive pas à se départager sur cette voie-là, il va y avoir l'épreuve finale. Pour déterminer qui sera le vainqueur, nous allons nous affronter au plus 1. Nous allons choisir chacun notre tour un move à faire sur ses prises, en plus de refaire tous les moves ajoutés précédemment. Celui qui tombe sans avoir ajouté un déplacement perd la partie. Tu veux commencer comment? Ça commence déjà bien sur la petite réglette. C'est un coup de ça ce que tu viens de faire. C'est celle-là, ouais. Ah, j'en ai rajouté. C'est celle-là. Ah, à toi. Non, ça compte pas du tout. J'ai perdu sur celle-là parce que j'ai pas réussi à tenir. Est-ce que tu me laisses commencer? On peut commencer avec celle-là. Si j'y arrive, je te place un move où t'es sûr de tomber. Ah, je pensais pas qu'il allait réussir à le faire. C'est pas trop loin, c'est proche. Respect pour Louis, t'es un gros compétiteur. Toi, tu lâches rien. J'ai gagné ce plus 1. T'as le droit d'utiliser n'importe quel move sur ce mur-là. Ok, j'ai même plus de force dans les doigts pour me suspendre. T'as gagné, bien joué. Merci. Ça fait quoi de gagner? Ça a changé ma vie. Ça a changé ta vie? Ah ouais, vas-y, largue-moi. Si tu veux aller à l'escalade, commence par ouvrir la porte. Avec Louis, on s'est rendu à une compétition d'escalade. Ce n'était pas prévu, mais je n'étais pas le seul à être déguisé. Du coup, il était dégoûté de ne pas l'être. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines. Bye.